Venez à Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour toujours. Alléluia, il y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui ait été donné. Seul le nom de Jésus pourrait te sauver, sauver, sauver pour tout. Alléluia, dans le ciel et sur la terre Psaume chapitre 146. 146, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen, amen. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi. Je voulais trouver celui qui me donne la paix. J'ai trouvé Jésus. Et ma voix s'est élevée, et toi, mon divin.
Sauveur, de pouvoir te trouver, mon bien-aimé Seigneur. Quel bonheur de pouvoir te posséder. Nous t'avons trouvé, tu nous as trouvé, mon Sauveur. Tu as apaisé nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as consolé réellement nos âmes, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous a rapporté, bien-aimé Père Tibissant, aussi la joie et la paix, mon Sauveur. Nous sommes rassurés avec toi et nous sommes éclairés de jour en jour, mon bien-aimé Père, Dieu notre Dieu, parce que tu es réellement la lumière qui éclaire le monde, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as fait de nous un peuple mis à part, mon bien-aimé Seigneur, taillé et conduit, éclairé par toi, mon bien-aimé Père Tibissant, et nourri aussi par ta main puissante, mon roi. Nous voulons être fidèles dans tout ce que tu attends de nous, Père. Oh, puisses-tu être vraiment glorifié dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous avons vraiment besoin de toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Sois exalté encore ce soir, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Sois béni, oh Maître béni, Père Tibissant. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si les étaient, mon bien-aimé Père Tibissant. Louange et honneur à toi, qui a le contrôle sur toutes choses, mon bien-aimé Père. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi. Nous sommes heureux d'avoir un guide comme toi, mon bien-aimé Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir un consolateur comme toi. Sois béni encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci réellement pour l'inspiration, pour les cantiques, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour chaque cantique, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, quel bonheur, quelle joie de voir réellement chanter, Père Tibissant, dans l'esprit, Père. Nous te sommes reconnaissants pour le don, pour la joie, pour la grâce, mon Père, pour l'onction, mon bien-aimé Père Tibissant, pour ta présence divine, mon bien-aimé Seigneur, qui éclaire encore davantage, mon roi. Tu consoles nos cœurs, mon bien-aimé Père. Merci réellement pour ton nom. Ton nom est tellement merveilleux, Seigneur. Bénis ton peuple encore assemblé en cet endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, ceux qui sont venus de loin comme des prix aussi, bien-aimé Père Tibissant. Et ceux qui sont aussi en connexion à différents pays, différents endroits. Nous nous réjouissons de ton amour à notre endroit, de ta bonté, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, de la marche aussi avec toi, mon bien-aimé, oh Dieu. Tiens-nous davantage par ta main, bien-aimé Père Tibissant. Car tu l'as dit toi-même que nous sommes le troupeau de ton pâturage à toi, bien-aimé Père. Tu nous conduis et tu nous soutiens, Père. Merci pour les cantiques, merci pour le psaume. Merci pour chacun de nous encore ce soir, mon bien-aimé Père. Sois béni. Sois exalté, bien-aimé Père Tibissant. Oh, éclaire-nous encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et conduis et soutiens, Père. Bénis ton peuple, mon roi, bénis aussi tes serviteurs. Nous te disons merci pour tout. Car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Il soit donc glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Seigneur pour les moments et les bénédictions qu'il déverse dans son peuple et la joie et la grâce qu'il aussi nous accorde de pouvoir aussi avoir aussi dans nos cœurs. Nous lui disons à notre Dieu merci pour ce jour béni, parce que chaque jour qu'il nous donne, c'est un jour de grâce. Et chaque jour que nous avons, c'est aussi un jour qui nous rapproche davantage de notre Dieu. Qu'il soit donc exalté réellement aussi pour sa fidélité. Qu'il bénisse chacun de vous tous qui êtes venus de loin comme de près. C'est un bonheur et que je pouvais entendre mon frère Julia, que Dieu le bénisse et nous sommes heureux. Dieu bénisse notre précieux frère Daniel, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Et qu'il bénisse chacun de vous tous encore ce soir. Nous sommes dans la joie, comme on le dit, nous sommes dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que nous aimons être ici. Et ce soir, nous avons aussi la joie de pouvoir avoir la maman de notre frère Nicolas qui est venue. Elle est là. Oui, oui. Que Dieu la bénisse. Elle a eu le désir de pouvoir venir aussi ce soir. Et nous remercions notre Dieu pour cela. Chaque chose que Dieu fait est toujours bon. Et nous réalisons aussi que chaque jour que Dieu nous donne, c'est vraiment une grâce du Seigneur de pouvoir. Ah, je vois mon frère Modeste qui est là-bas. Que le Seigneur te bénisse, mon précieux frère. Et c'est une joie de pouvoir te voir. Il m'arrive de voir quand même. Mais nous réjouissons de cette grâce que Dieu nous donne et qui nous soutient. Tiens, mais nous sommes heureux de pouvoir réellement voir que le Seigneur nous rassemble effectivement aussi pour que nous puissions nous retrouver autour de sa parole. C'est cela, le bonheur et la grâce que Dieu nous accorde. Nous réalisons aussi que le Seigneur nous introduit dans les choses encore beaucoup plus profondes, parce que nous avons aussi confiance de pouvoir savoir que c'est parce que le monde et l'histoire du monde tirent véritablement à sa fin
Et nous devons aussi être de ceux-là qui ont les yeux pour pouvoir voir et aussi les oreilles pour pouvoir réellement aussi entendre. Nous nous préparons parce que nous avons cette joie et ce désir de rentrer chez nous. Nous avons la grâce de pouvoir savoir d'où nous venons et aussi où est-ce que nous allons. C'est pour ça que nous le chantons de tout notre cœur pour lui dire combien, étant dans ce monde, nous sommes reconnaissants à ce qu'il a fait pour chacun de nous, parce que nous ne pouvions pas savoir d'où nous venions, où nous allions, si lui-même n'était pas venu effectivement aussi pour pouvoir payer le prix, afin de nous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle grâce et quel privilège que nous avons lorsque nous avons aussi entendu que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous étions morts par nos offenses. Or, que son Saint-Nom soit béni. Il a pris l'acte de l'ordonnance nous condamner. Il les a déchirés. Il nous a accordé la liberté en Christ, le pardon de nos péchés. Et il a payé pour que mon frère, ma sœur et moi-même, nous puissions aujourd'hui glorifier son Saint-Nom. Il a dit, sans argent, sans rien payer. Nous sommes venus donc à lui parce qu'il a tout fait pour nous. C'est pour ça qu'en retour, nous voulons l'aimer aussi de tout notre cœur. C'est pour ça que quand nous chantons que j'ai trouvé Jésus, c'est un bonheur. J'ai trouvé mon roi. J'ai trouvé mon sauveur. C'est une grâce de l'avoir trouvé. Vous savez, je crois que c'était hier que Dieu bénisse mon précieux frère Isaac. Nous avons beaucoup d'Isaac, hein? Mais c'est Isaac de Gand, les Néerlandais, enfin tous les deux sont néerlandophones. Il m'a envoyé une vidéo, il a pensé à moi, il dit, pasteur, j'ai pensé à toi, je t'envoie cette vidéo et pour que tu regardes, parce que j'ai regardé aussi. Et c'était vraiment très touchant. Je le regardais, mon cœur était vraiment serré quand je regardais cela. En fait, c'est une vidéo qui a été donc tournée en Israël par un juif, et c'était donc en hébreu. Il est allé là-bas dans son pays où il se trouve effectivement, et vers tous ces religieux avec leur chapeau, vous connaissez effectivement les rabbins, tout ce qu'il y a, effectivement, comme ça se passe là-bas, et puis avec la population donc israélite, et alors il avait son micro et le caméraman. Alors il dit à tous ceux qui passaient, même ces étudiants qui étaient là-bas aussi effectivement, il dit, mais est-ce que vous avez déjà lu les livres de Ésaïe, chapitre 53. Alors, il pose la question, avez-vous déjà lu cela? Il dit, Ésaïe, chapitre 53. Il dit, oui, avez-vous laissé les... Oh non. Alors, il dit, écoutez, ben, nous allons quand même ensemble avec vous lire quelques chapitres versés pour que vous puissiez voir cela. Ah, vous savez, ça, mon cœur était serré. Alors, il a pris les Écritures. Je vais juste lire avec vous. Et juste les Écritures là, Ésaïe au chapitre 53, pour vous montrer ce qui a touché le cœur et qui démontre effectivement ce qu'il en est. Regardez bien. Ésaïe donc, chapitre 53, et que le Seigneur bénisse mon frère Isaac. Il nous dit ici, avec donc, c'était un juif qui parlait aux juifs, qui leur disait, lisez. Et en tout cas, c'était une écriture qu'ils n'avaient jamais lue, qu'ils ne lisaient même pas en fait. Alors ils ont commencé à lire effectivement et dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont il tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons
nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont donc nos souffrances qu'il a portées. Ce sont donc, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissieux que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste rassasiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Alors, pendant qu'il a lisé cela, il pose la question de pouvoir savoir. Vous avez remarqué ce qu'il en est ici avec cet homme? Il dit, oui, nous remarquons que cet homme a souffert, mais en fait, a-t-il souffert effectivement pour ses propres péchés ou pour ce problème? Il dit, mais non, mais nous remarquons qu'en fait, que cet homme, on voit qu'il a souffert pour les autres. À ce moment-là, il leur pose la question, mais vous voyez la finalité effectivement de cet homme, c'était quoi en fait? Alors, ils ont répondu en disant qu'effectivement, que, mais il est mort, parce qu'on voit cela qu'il est mort, parmi les Juifs. Hein. Et puis, il leur pose la question de pouvoir savoir. Est-ce que dans l'histoire, effectivement, de notre pays, notre nation, vous n'avez pas eu à pouvoir entendre un événement qui se soit passé avec une personne qui se serait, effectivement, passée à, semblable à ce qui vient de se passer ici? Alors, il s'est tenté de pouvoir regarder et puis se poser des questions. Alors, il leur pose la question, avez-vous entendu parler de Messie, en fait, d'abord Messie? Il dit, oui, oui, nous savons que le Messie, ceci et cela. Alors, les Écritures disent des Messies qu'il sera quoi et comment se passerait pour le Messie. Alors, les uns disent, oui, mais quand on voit cela, on se rend compte qu'effectivement, qu'il s'agit effectivement du Messie, effectivement, dont ici on nous parle effectivement en rapport avec cela. Et puis, il pose la question, alors, donc en fait, c'est en fait du Messie que l'on parle ici, c'est-à-dire qu'il allait souffrir pour cela, pour ceci. Il posait la question aussi à ceux qui lisaient dans les écoles de rabbinique, ainsi effectivement. Alors, il dit, oui, mais. Il dit, mais c'est une écriture qui, quand même, qu'on découvre. Il dit, mais est-ce que vous lisez souvent? Il dit, non, mais je découvre, mais là, qu'on voit quand même que. Et ça, ah bon, il dit, puis vous n'avez jamais eu à pouvoir entendre que, ici en Israël. Alors, il le rappelle effectivement Pilate. Pilate, effectivement, parce que ça, personne ne peut oublier. Donc, il se souvient de Pilate. Il dit, oui, Pilate, il dit, mais vous n'avez pas entendu l'histoire, effectivement, de Pilate qui a fait que les Pilates soient connus? Il dit, oui, effectivement, il dit, de quoi s'agissait-il, effectivement? Ah oui, mais effectivement, il s'agissait, effectivement, de ce jour-là où il y avait donc les malfaiteurs, il y avait un certain, dit, oui, qui a eu à pouvoir, oui. Alors, vous n'êtes pas intéressé de pouvoir voir à peu près ce qui s'est passé avec cet homme-là? C'est là, mon frère et ma sœur, que les hommes ont commencé à pouvoir, juste parce que c'était un hébreu qui parlait, ils commençaient à pouvoir ouvrir les yeux. Et dit, mais, et il pose la question, mais avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Et Jésus qui est venu effectivement en Israël, et comment il a eu à pouvoir vivre effectivement? Il dit, oui, nous avons entendu, mais bon, on n'en parle pas effectivement de ce Jésus effectivement. Il dit, mais dans les saintes écritures, comme vous le lire effectivement aussi, vous avez remarqué que quand le Messie viendrait, et ça s'est passé comme ça. Il dit, mais alors, regardez la vie de ce Jésus effectivement jusqu'à sa fin. Voyez-vous, frères et sœurs, j'étais touché d'abord de pouvoir voir les efforts qu'il faisait pour que son peuple puisse voir. Mais c'est surtout la tristesse dans le cœur de voir l'ignorance. La religion, elle tue les gens.
La religion ne pourra jamais vous amener à connaître la vérité. C'est pas possible qu'avec la... Parce que ces hommes-là, ce sont... ils étaient des religieux. Mais ils... il dit, mais l'écriture ici, on ne le lit pas, on ne le connaît pas. Et puis, je dis, mais comment est-ce que vous l'avez dans votre Torah? C'est bien écrit là. Et puis cet homme, quand il est venu, c'est Jésus, quand il est venu, il a accompli exactement ce qui est écrit ici dans les livres d'Ésaïe, chapitre 53, que vous reconnaissez que c'est le Messie qui devait le faire. Oh, mais chez nous, donc, dans les traditions que nous lisons, effectivement, on ne met jamais l'accent sur ces choses-là, effectivement. C'est pour ça, mon frère et ma sœur. Je regardais, j'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu es contre les dénominations, parce que les églises dénominationnelles ne pourront jamais amener quelqu'un à connaître vraiment qui est Jésus. C'est pour ça que dans les églises dénominationnelles, on nous fait sortir toujours trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qu'on ne peut pas trouver dans les Saintes Écritures. Nous comprenons maintenant pourquoi le Seigneur disait que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de pouvoir réellement réaliser d'abord la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment donnée de pouvoir le connaître non pas historiquement, mais le connaître effectivement dans la puissance de sa résurrection. Et comme et cela est ainsi, de réaliser aussi la grâce que nous avons reçue, de savoir quel est donc ce Jésus que nous avons donc reçu, qui est effectivement devenu pour nous notre Seigneur et notre Rédempteur. Vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, quand même, l'événement s'est passé dans un pays comme le leur, et puis c'est qu'ils ont la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont l'Ancien Testament, parce que chez eux, il n'y a pas le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament, cet Ancien Testament parlait clairement d'une seule personne, de ce Jésus qui devait venir, de ce Messie qui devait venir. Il les lisait, mais il ne voyait rien du tout. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est une grâce. De ce que le yeux d'un homme puisse s'ouvrir pour réellement réaliser. Parce que le monsieur, en fait, la personne, effectivement, leur parlait, dit, mais en fait, c'est Jésus est venu, mais on l'a pas reçu c'est dans parmi ses frères. C'est pour ça que les gens de la religion, effectivement, en fait, les nations l'ont reçu. Parce qu'il a été prêché aux nations. Et les nations ont reçu c'est Jésus. Mais ici, chez nous, en Israël, Jésus n'est pas le bienvenu. C'est pour ça que je regardais et dis, mais Seigneur, quelle puissance, quelle autorité ta parole à toi a. Regardez, frères et sœurs, dans un seul pays, l'Égypte, il y avait d'un côté le ténèbre, l'autre côté le soleil brillait. On se disait, mais comment? Oui, Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, à Goshen, il y avait le soleil. Là-bas, de l'autre côté, effectivement, il n'y avait que les ténèbres qui étaient comme palpables, effectivement. Mais sur la terre où nous sommes, effectivement, on parle de Jésus. Et puis, en plus, effectivement, que là, en Israël, ils ont quand même la Bible, ils ont la Torah, effectivement. Mais ils n'arrivent pas à pouvoir voir, effectivement, c'est Jésus. Mais pour quelle raison cela s'est-il? Mais vous devez savoir la raison, effectivement. Parce que il a fallu que Dieu fasse ceci. Qu'il soit aveuglé pour que toi et moi, c'est pour que, juste, vous savez que vous connaissez cela, mais c'est pour que vous puissiez voir la puissance de Dieu. La même personne, une personne comme toi, il regarde, il ne voit pas. Mais toi, tu regardes, tu vois. Donc la même écriture, vous la lisez, lui, il ne voit rien. Et pourtant, il était religieux. Pourtant, il était quelqu'un qui prie aussi. Lui, il ne voit rien, mais toi, tu vois. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il a aveuglé un pays, effectivement, une partie d'Israël est dans l'aveuglement, pour que la parole de Dieu vienne chez toi, afin que toi, tu puisses avoir la grâce, voire réellement entendre l'évangile, et bénéficier, effectivement, du salut, comme l'Écriture le dit, nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Mais mon promesse, effectivement, parce que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Nous n'étions pas la postérité d'Abraham. On ne pouvait rien prétendre, même pas au ciel. On mourait, c'était la destination, effectivement, des lieux de souffrance et de tourment. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que comment veux-tu avoir accès? Parce que c'était avec Abraham que Dieu a traité.
Dieu n'a pas visité ton grand-père ou ton père, effectivement. Non, il a visité Abraham. Et puis il a dit à Abraham, parle, il dit à Abraham, effectivement, il dit, mais voici l'alliance qui est avec toi, mais pour que je sois ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Alors, bien sûr que les enfants d'Israël, d'ailleurs, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, on dit d'eux que c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. On ne dit pas Dieu de Belgique hein, ou Dieu, je ne sais pas moi, Dieu de. Non, ou Dieu de l'Afrique, je ne sais rien. Mais on a, non, on n'a jamais entendu cela. Non, toujours Dieu d'Abraham. Amen. Dieu d'Isaac. Amen. Dieu de Jacob. Donc il est le Dieu d'Israël. Donc il n'est pas ton Dieu à toi. Il est le Dieu. Il montre, il dit, mais je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dont le Seigneur d'Israël. Ça, c'est mon peuple. Donc il peut m'invoquer, j'entendrai. Mais toi, tu peux m'invoquer, j'entendrai rien. Parce qu'il n'y a pas de relation entre toi et moi. Mais avec lui, j'établis une relation. Il peut m'invoquer, alors moi, je l'entendrai parce que je lui ai dit comment m'invoquer. Parce que comment invoquer? C'est pour ça qu'il faut que Dieu se fasse connaître. Maintenant, toi et moi, qui étions des païens, nous n'avions pas un Dieu, frère. Nous mourions, c'était l'enfer directement. Gloire au Seigneur Jésus, frère. Oh, Dieu est tellement bon. C'est pour ça qu'en parlant avec Abraham, même dans Genèse chapitre 11, effectivement, il dit, mais toutes les nations de la terre, gloire à Dieu, seront bénies en toi. Dieu a ouvert une porte, monsieur. Pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Quel bonheur d'avoir Jésus. C'est pour ça que Dieu te bénisse. Il dit, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé mon roi. Alléluia. Il est mon rédempteur. Frères et sœurs, sans Jésus, nous sommes rien. C'est pour ça que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, il était pour Israël. Mais dans les saintes écritures, alléluia, on nous a dit son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Ce n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il est le Dieu de tout un chacun. Parce que son nom a changé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Voilà pourquoi nous chantons Jésus. Parce que Jésus est mon Dieu. Jésus est mon sauveur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, nous avons des raisons profondes de pouvoir aimer cet homme de Galilée. Il a été rejeté, mais nous l'avons reçu. Alléluia. Frères et sœurs, il a été flagellé. Vous lui donnez une place de gloire dans notre cœur, mon frère. Oh, mon frère et ma soeur, nous avons à pouvoir lui dire beaucoup merci. Nous étions sans espérance, sans foi, étrangers même aux promesses, sans Dieu dans ce monde, mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous pouvons aujourd'hui appeler Dieu, le Dieu du ciel, notre Père. Je ne veux même pas l'appeler mon Dieu, mais aujourd'hui j'ai le droit de l'appeler et mon Dieu. Et aussi mon Père. Parce que par Jésus-Christ, alléluia, je ne suis pas seulement un adorateur, mais un fils. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis maintenant né de Dieu. Oui, monsieur. Et si je suis né de Dieu, je suis un fils de Dieu et je suis un Dieu. J'ai trouvé Jésus. Mon frère et ma soeur, je comprends pourquoi ces jours-là, Jean pouvait pleurer. Oh, frères et sœurs, sans Jésus, le monde et les choses n'ont pas de sens, mon frère. Jean a pleuré parce qu'il a regardé, puis personne n'était trouvé digne. Il savait que tout était donc perdu. Ah, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse richement.
j'ai trouvé Jésus. C'est un cantique que je crois qu'on devait chanter dans mon voyage ici-bas. Ah. Oui, oui, oui. Ma voix s'est élevée. Oh. Toi, mon divin sauveur, tu m'as secouru. Tu m'as soutenu. Amen, alléluia. Oh. Vous savez ce qu'il a dit dans le psaume 50? Invoque-moi dans ta détresse. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous avons simplement à crier. Dans notre difficulté, mon frère, la solution, elle vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Invoque-moi dans ta détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Avant, nous n'avions pas un secours. C'est pour ça. Il a lu dans les psaumes, je pense, vous connaissez les psaumes, il dit, mais où il dit, toi, tu es devenu. Tu es devenu mon salut. Donc, sans toi, il n'y a pas de salut pour moi. Comment tu pouvais invoquer les dieux d'Israël? Ils n'étaient pas les tiens. Mais par Jésus. Par Jésus. Parce que, nous l'avons lu, il dit, mais toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Pas à ses postérités. Vous essayez de plusieurs, non. À une. C'est-à-dire à Christ. Gloire à Dieu, je t'aime, mon Seigneur. Donc c'est Jésus, maintenant, il est venu vers moi pour que moi, je devienne la postérité d'Abraham. Gloire à Dieu. Maintenant, je deviens aussi héritier. Voilà pourquoi on dit que par Jésus-Christ, le fait d'avoir reçu comme son sauveur personnel, nous sommes aussi devenus la postérité d'Abraham. Donc, toutes les promesses de la Bible sont miennes. Chaque promesse, c'est dans la Bible, est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Là, maintenant, tu peux le dire. Que là, 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 dedans. Alléluia. Je m'en vais te préparer une place. C'est pour moi. Oui, monsieur. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Donc, il t'a fait la promesse. Ça, tu peux dire Satan, tu peux crier comme tu veux. Mais je sais un jour que quand il viendra, moi ici, je partirai. Gloire à Dieu. N'est-ce pas vrai? Je m'envolerai. Je m'envolerai. Alléluia. Donc un jour, bien sûr mon frère, un jour nous nous envolerons. Mais avant je ne pouvais pas prendre part à cela. Il a fallu qu'il y ait un homme. Oh Dieu du ciel, s'il y a un homme que toi et moi nous pouvons aimer et pour lequel dans notre vie tous les jours, que nous désirons avoir comme ami, comme tout, vous voyez, frère, c'était dit, alléluia, tous vos compagnons, les soirs, iront chez eux, mais mon compagnon, en tout temps, reste avec moi, dans toutes mes douleurs, il vient me, alléluia, alléluia, oui, monsieur, un jour, ils t'abandonneront. Mais Jésus, la Bible dit de lui, son nom est fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Gloire à toi. Tous vos compagnons, les soirs, iront chez eux. Mais mon compagnon a tout temps resté avec moi. Oui, monsieur. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Les gens se disent, mais ils sont comme des fous. Oui, pour Christ nous le sommes. Parce que nous étions aussi dans le monde des gens comme ça. Des malheureux.
parce que vous ne voyez pas l'avenir. Mais quand la lumière est venue, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, j'ai trouvé Jésus, gloire à Dieu, j'ai trouvé mon roi. Que le Seigneur vous bénisse, les bénisse. Si bas qu'on ne peut renverser, il est si, si là.